Paris, France, 1712. Les prêtres sulpiciens font une première démarche pour obtenir la seigneurie du lac des Deux-Montagnes. Malheureusement, un an plus tôt, en 1711, le roi Louis XIV avait décrété un moratoire sur toute demande de concession seigneuriale en Nouvelle-France. Deux ans plus tard, en 1714, les sulpiciens feront une autre demande qui, elle aussi, sera refusée par le gouvernement français. 1er septembre 1715, Louis XIV s'éteint. Son petit-fils, Louis XV, alors âgé de 5 ans, devient roi. Le pouvoir du royaume est délégué à son oncle, Philippe, duc d'Orléans, qui est l'adulte le plus proche du défunt. Philippe nomme le futur cardinal de Fleury, précepteur de l'enfant roi, et c'est de Fleury qui sera chargé de l'éducation de celui-ci jusqu'à sa majorité. Après la mort de Louis XIV, les querelles de famille commencent. Le duc d'Orléans fait casser le testament du roi. La cour quitte Versailles et le duc gouverne de sa résidence. La Nouvelle-France est bien loin et la future seigneurie du lac des Deux-Montagnes encore plus. Le duc s'occupe de la cour royale et laisse à l'ecclésiastique de Fleury la charge du Parlement. C'est probablement à ce moment que les sulpiciens sont entrés en action et ont fait pression auprès de Fleury pour obtenir la seigneurie, ce qui fut fait le 17 octobre 1717 et ratifié le 22 avril 1718. Les sulpiciens de Paris, qui n'étaient jamais venus en Nouvelle-France, avaient de bonnes raisons d'être fiers d'avoir obtenu cette concession malgré le moratoire. Ils ont probablement évoqué l'argument du bien-être, de la protection et de la conversion de leurs sauvages sans même les avoir vus. Montréal, 1704, Mission de la Montagne. La mission était située sur la rue Sherbrooke West, un peu à l'ouest de la Côte des Neiges, au coin de la rue du Fort. À la mission, il y avait un garçon de 10 ans, Josiah Rising. Josiah avait été fait captif lors d'un massacre commis à Deerfield, Massachusetts, à plus de 340 km de Montréal, par Jean-Baptiste Hertel de Rouville. Il avait été adopté par les Mohawks, qui lui avaient donné le nom de Shuntaquani. Quant aux prêtres sulpiciens, ils changèrent son nom de Josiah Rising à Ignace Rezen. Ignace et ses frères Mohawks vivaient heureux à la mission, quand les sulpiciens leur recommandent fortement de quitter la mission de la montagne pour déménager au Sault-Récollet au nord de Montréal, où ils opéraient un moulin. En plus, les prêtres leur promirent de larges terres à cultiver et à chasser. Les Indiens obéirent gentiment et déménagèrent avec leurs femmes et enfants. Arrivés au Sault-Récollet, les Indiens s'installent. Josiah rencontre Abigail Nims. Elle aussi fut capturée lors du massacre de Deerfield. Adopté par les Mohawks, ceux-ci lui donnèrent le nom de Toatogouache. Pour leur part, les sulpiciens changèrent son nom de Abigail Nims à Elizabeth Nims. Les Indiens vivaient très bien au Sault-Récollet. Ils avaient de grandes terres qu'ils cultivaient. Ils y vécurent environ 15 ou 20 ans. Durant cette période, Ignace et Elizabeth sont devenus adultes. Ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants. Après avoir obtenu la seigneurie du lac des Deux-Montagnes, les sulpiciens réalisent qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour défricher la terre. Ils décident alors de déménager leurs sauvages du Sault-au-Récollet à Oka. Les prêtres nous ont dit qu'il n'était plus approprié que les Indiens vivent sur l'île de Montréal, et si nous consentions à aller nous établir au lac des Deux-Montagnes, nous aurions un grand territoire de chasse et pêche pour lequel le roi de France nous accorderait un acte de propriété et qui nous appartiendrait pour toujours, à nous et à nos héritiers, et nous ne serions plus importunés dans nos habitations. Même si cela nous dérangeait beaucoup de quitter nos maisons et nos petites clairières, le désir de posséder une propriété nous a cependant incités à nous soumettre. Nous sommes donc partis vers Oka et avons pris possession de la terre qu'il nous était assignée. Comme les Indiens ne savaient pas lire, les sulpiciens ne leur ont pas donné de titre de propriété. Les Indiens, eux aussi, devaient entrer dans cette entente selon leurs propres conditions et conformément à leurs traditions. Ils fabriquèrent une ceinture wampum qu'ils échangèrent avec les Français au moment du déménagement. Alors, comme égaux, les deux parties en étaient venues à une entente amicale et durable. Cette ceinture s'appelle Two Dog Wampum.
Bon nombre d'années plus tard, le séminaire de Saint-Sulpice de Montréal nia avoir promis des terres aux sauvages, et ils ont nié avoir la ceinture en question, déclarant qu'elle n'était qu'un faux semblant et que les Indiens mentaient. En plus, les prêtres disaient à qui veut l'entendre que la harangue des sauvages n'a pour but que des fables de leur génie. Dans le livre « Les Sulpiciens de Montréal », écrit par Dominique Deslandres, John A. Dickinson, Olivier Hubert et plus de 13 autres auteurs et 19 recherchistes, il y a seulement quelques lignes sur ce sujet. Voici un extrait du livre. « La teneur des tractations pour convaincre les Iroquois et les Algonquins de quitter le saut au Récollet n'est pas connue. Il y a-t-il eu promesse qu'il y aura des donations de terres par les prêtres comme le veut la tradition orale iroquoise? » Ironiquement, quand les Sulpiciens ont aidé les auteurs à écrire le livre, ils ne se souvenaient pas de leur avoir donné une terre ou non aux sauvages. Depuis le début de cette aventure, les Sulpiciens de Paris ont dit aux Sulpiciens de Montréal de ne rien donner aux sauvages, ce qui fut fait et bien fait jusqu'à ce jour. Hiver 1721, c'est le grand déménagement. Ignace Shuntakwani, son épouse Élisabeth Toatogouache, leur enfant, ainsi que leurs frères Huron, Nipissing, Algonquin et Mohawk, s'embarquent dans un cauchemar qui ne finira jamais. Les Sulpiciens décident de fermer le saut aux Récollets et de déménager leurs sauvages à leur nouvelle seigneurie du lac des Deux-Montagnes. Comme les Sulpiciens étaient leur propriété, ceux-ci jugent qu'ils seront très utiles à défricher la terre et à la construction des différents édifices. Le déménagement a lieu l'hiver, en février, parce qu'il est plus facile de marcher sur la rivière gelée en hiver. Les missionnaires, ainsi que toute la population du Fort Laurette, incluant Ignace Shuntakwani, son épouse Élisabeth Toatogouache et leurs enfants, se mettent en route et se dirigent vers Oka, soit une distance d'environ 30 000 ou 45 km. Ils sont chaussés de raquettes. Ils apportent tous leurs biens avec eux. Même la petite chapelle de Boiron est démontée et traînée sur la neige. Arrivés à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue, le cortège prend vers le nord et chemine vers sa destination finale, la rive nord-ouest du lac où se trouve la future seigneurie du lac des Deux-Montagnes. La seigneurie du lac des Deux-Montagnes est un immense domaine dont les limites vont de l'actuel Saint-Eustache à l'est jusqu'à l'actuel Saint-André-d'Argenteuil à l'ouest et des rives du lac au sud jusqu'à Saint-Colomban au nord, soit aussi que Saint-Jérôme, mais plus à l'ouest. L'installation de la nouvelle mission se fait progressivement. On s'implante d'abord dans la petite baie à l'ouest de la rivière aux Serpents, puis du lieu où s'écoule le ruisseau de la Coulée, qui porte aujourd'hui le nom de ruisseau Résène. Mais on s'aperçoit bientôt qu'il vaut mieux se rapprocher de la pointe. Et c'est là que vers 1760, on entreprend de construire une église de pierre, une résidence pour les missionnaires, une habitation pour les employés. Les Amérindiens de la mission se regroupent de part et d'autre de l'Église, chaque nation ayant ses quartiers bien à elle. À l'est, les Algonquins et les Nipissing, et à l'ouest, les Hurons et les Iroquois. Quant à la famille Résène, son statut hybride, ni tout à fait européen, ni tout à fait amérindien, lui vaut de disposer de ses propres quartiers. Les missionnaires leur accordent en effet un grand domaine à une demi-lieue au nord du village où Ignace, Élisabeth et leurs enfants vont pouvoir s'établir. Ignace entreprend alors de construire une maison de bois équarri. Qui sont ces Sulpiciens? Les Messieurs de Saint-Sulpice est une congrégation élite de la religion catholique, fondée en 1645 par Jean-Jacques Ollier. Les Sulpiciens ne sont pas sous la juridiction du diocèse et ne sont pas non plus supportés financièrement par les paroissiens. Contrairement à un autre ordre religieux, ils ne font pas de vœux de pauvreté et demeurent propriétaires de leurs biens. Ils sont libres d'en disposer à leur gré ou avec un testament. Les Sulpiciens ne sont pas liés à la communauté.
Le Québec a eu plusieurs sulpiciens. Les plus célèbres furent Sa Grandeur, Mgr Jean-Jacques Lartigue, premier évêque de Montréal, nommé en mai 1836. Il fut l'un des plus grands adversaires de Louis-Joseph Papineau et des Patriotes. Sa correspondance avec les curés et les autorités religieuses est remplie de commentaires désagréables à leur endroit. En octobre 1837, plus de 1200 patriotes défilent devant l'archevêché de Montréal et de l'église Saint-Jacques pour protester contre ces directives. Mgr Ignace Bourget, il devient le deuxième évêque de Montréal en 1840 après le décès de son mentor, Mgr Jean-Jacques Lartigue. Le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal dans les années 50 et 60. Aussi, le cardinal Marc Ouellet, archevêque de la ville de Québec dans les années 2000. En 2010, le cardinal Ouellet est muté à Rome où le pape Benoît XVI lui confie la tâche de lui présenter les futurs évêques. Lionel Gendron, nommé évêque du diocèse de Longueuil en 2010 par le pape Benoît XVI. En 1763, le séminaire de Saint-Sulpice fait appel au gouverneur Ralph Burton pour se plaindre de la vente d'un Mohawk à un marchand britannique, lui laissant savoir que les Indiens de Kennesataki étaient leur propriété. Le gouverneur Burton accéda à leur demande et la vente du sauvage fut annulée, les sauvages étant la propriété des prêtres comme tout autre bien matériel. De 1721 à 1761, il y a très peu d'informations sur la seigneurie du lac des Deux-Montagnes. En 1761, quand la France perd le Canada aux mains des Britanniques, un événement à Kanawake sur la rive sud de Montréal envenima encore plus les relations entre l'Église catholique et les Britanniques. Une dispute éclata entre les Jésuites qui dirigeaient la mission du Sault Saint-Louis et les Indiens de Kanawake concernant la vente de terrains par les Jésuites aux colons. Les Jésuites vendaient des terres qui appartenaient aux Indiens. Les Indiens se plaignent à l'armée britannique et le général Thomas Gage trancha en leur faveur. Les Jésuites ont dû remettre les terres aux Indiens et quitter le territoire. Avec le jugement de Thomas Gage contre les Jésuites, la possibilité que le séminaire de Saint-Sulpice soit forcé d'abandonner ses terres au Québec devint une véritable menace. Les Sulpiciens étaient tellement inquiets par cette décision que la peur les poussa, lors d'un conseil convoqué par le séminaire, à essayer d'inciter les Autochtones qui étaient dans la communauté à se révolter contre les Britanniques. L'intervention des Sulpiciens dans cette question était probablement motivée par le désir d'éloigner les Indiens de Kennesataki contre les Anglais, comme fut le cas à Kanawake avec les Jésuites. Cependant, le peuple de Kennesataki ne voulut aucunement prendre part au complot et les Britanniques condamnèrent sévèrement le séminaire. Après cet incident, le séminaire développe une nouvelle stratégie pour garder la seigneurie de Montréal et Oka. En avril 1790, le séminaire de Saint-Sulpice de Paris, à qui le roi de France avait donné ses seigneuries, transfère toutes leurs propriétés aux Sulpiciens de Montréal. En plus, pour être doublement sûrs de garder leurs deux seigneuries en Nouvelle-France, les Sulpiciens de Montréal prêtent le serment d'allégeance à la couronne britannique pour démontrer leur loyauté. Les Britanniques approuvèrent silencieusement. Le séminaire de Saint-Sulpice avait donc la permission de garder et la seigneurie de Montréal ainsi que celle d'Oka. Les années 1820, le peuple de Kennesataki était déjà soumis à de lourdes restrictions imposées par le séminaire. Tout Indien qui récoltait plus que pour le besoin de sa famille ne pouvait pas utiliser son profit pour acheter davantage de terres. En outre, tout Indien qui quittait la mission pour vivre à tout autre poste où il n'y avait aucun missionnaire perdait tout droit à ses terres et à ses prés. En plus, les Sulpiciens essayèrent aussi de dicter au peuple de Kennesataki ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas lire.
1826, le supérieur de la mission, le sulpicien Jean-Baptiste Roop, interdit les mariages entre autochtones de Kanasatake et les Blancs. Il interdit aussi les mariages entre Indiens de Kanasatake et les Indiens des autres réserves, comme Kanawake et Akwesasne. Plus encore, il refuse d'enterrer les Indiens qui vivaient ensemble sans être mariés. Il refuse aussi d'enterrer les alcooliques. Lors de la rébellion de 1837, le peuple de Kanasatake vivait une situation bien pire que celle de leurs voisins canadiens français, puisqu'ils ne jouissaient pas des droits et privilèges des colons. Il décida de rester neutre et refusa de combattre avec l'un ou l'autre des partis. Le séminaire resta officiellement loyal envers les Britanniques, tandis que les membres du clergé s'agitèrent ouvertement contre ceux-ci et incitèrent à la rébellion. L'abbé Étienne Chartier, curé de Saint-Benoît, en est un exemple. Depuis 1835, à son arrivée à Saint-Benoît, dans ses sermons du haut de la chaire et ses assemblées publiques, il avait recruté des patriotes puis appelé aux armes. On connaît peu de choses sur le curé Chartier, mais dans le massacre de Deerfield en 1704, il y a eu deux Carter, Samuel et John Carter, qui sont tous deux demeurés au Canada et se sont mariés. Les Sulpiciens ont ensuite changé leur nom en Chartier. Les patriotes combattaient les Britanniques en plus de se battre ouvertement contre les Sulpiciens. Les Sulpiciens faisaient face à une révolte ouverte sur les seigneuries. À Montréal, des anticléricaux ou athées comme Louis-Joseph Papineau, un des dirigeants de la rébellion, était également hostile au séminaire. En 1838, Papineau revendiqua l'abolition catégorique du système seigneurial et l'annulation de toutes les dettes seigneuriales. Le séminaire, craignant tellement une invasion des patriotes durant les années de la rébellion, qu'il brûla une grande partie de ce qu'il considérait comme des documents compromettants. En 1721, quand les Indiens sont déménagés de Montréal à Oka, le séminaire leur a promis de larges territoires de chasse et pêche. En 1848, toutes ces promesses étaient disparues, car les Blancs s'étaient installés sur leur territoire de chasse. Dans les années 1830, après avoir perdu leur territoire de chasse et pêche, les Autochtones se sont tournés vers la coupe et la vente de bois, pour se procurer un revenu dont ils avaient grandement besoin. Presque immédiatement, le séminaire essaya d'y mettre les freins. La majeure partie du bois était vendue de l'autre côté de la rivière à Vaudreuil et Comeau. En mars 1848, alors qu'ils coupaient et vendaient du bois, les Mohawks furent arrêtés et emprisonnés à Montréal durant 8 jours. Selon le chef Onunquakowa, 12 fiers à bras canadiens vinrent au village pour procéder à leur arrestation et menacèrent de tuer les hommes qui résisteraient. L'inculpation, avoir coupé du bois sans la permission des Sulpiciens. Pour défendre leur geste, les Sulpiciens répliquèrent promptement en écrivant 3 lettres à Lord Elgin dans lesquelles ils disaient que le bois de la seigneurie était la propriété du séminaire. Après avoir examiné l'allégation, il conclut que les Indiens n'avaient aucune raison justifiée de se plaindre de leurs missionnaires. En plus, Lord Elgin était d'accord avec les Sulpiciens pour dire que le bois sur la seigneurie était la propriété du séminaire de Saint-Sulpice et que les Indiens n'ont aucun droit de le couper et d'en vendre sans le consentement des missionnaires. Lecture d'un avis public émis par les Sulpiciens vers 1870. Avis important, défense rigoureuse. Est par la présente faite aux Iroquois, Algonquins,
Canadiens et autres personnes de quelque origine que ce soit de couper du bois de chauffage, du bois pour faire des cercles ou toute autre espèce de bois sur le domaine du lac des Deux-Montagnes appartenant à messieurs les ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, sous peine de confiscation du bois coupé, de poursuites judiciaires contre ceux qui le couperaient, le charboiraient, le vendraient ou l'achèteraient. Source, archives du séminaire Saint-Sulpice de Montréal, tiroir 42, filière 147. À ce point, les Algonquins et les Mohawks signèrent une pétition. Le vocabulaire employé dans celle-ci révolta les Sulpiciens qui la considérèrent blasphématoire. Immédiatement, une poursuite est entamée contre les Indiens qui l'ont signée. Et, en avril 1852, après une requête du supérieur du séminaire, l'évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, qui était aussi un Sulpicien, imposait le châtiment le plus sévère que l'Église catholique avait à offrir. En effet, 15 chefs algonquins et mohawks furent excommuniés sur le champ. La pression exercée sur eux pour se rétracter dut avoir été énorme, car, plusieurs mois plus tard, les chefs signèrent une rétractation publique pour avoir utilisé un langage inadéquat et offensant. En septembre 1852, Mgr Ignace Bourget leva l'excommunication. En 1851, un autre événement irrita encore plus les Sulpiciens. Peter Jones, pasteur ojibois, visita Kennesataki à la demande de l'Église méthodiste. Venu dans le but de convertir les Indiens au protestantisme, il passa plusieurs jours au sein de la communauté. Il n'eut aucun succès, mais les Sulpiciens virent cette visite d'un mauvais œil et dirent qu'il était un individu intéressé à fomenter des troubles. C'est la fin des seigneuries. À ce moment, les messieurs de Saint-Sulpice se portent acquéreurs de plusieurs milliers d'acres de terre, de Saint-Eustache à Saint-André-Avelin et de la rivière des Outaouais jusqu'à Saint-Colomban et Saint-Jérôme, incluant Kennesataki et Oka. En plus des 85 acres de terre et la petite maison durant de l'Annonciation que les prêtres avaient supposément donnée à Ignace Shuntakwani et son épouse Élisabeth Toatogouache en 1721. Les prêtres changèrent le nom de Shuntakwani pour Rézène. Charles Clet Rézène et son épouse Sophie-Rose Gauthier étaient la troisième génération à habiter Rising Land. Pour les gens de Kennesataki, le cauchemar continue. Les colons qui s'étaient installés à la seigneurie reçurent l'option de réclamer la propriété de la terre sur laquelle ils vivaient. Par contre, les Indiens, qui étaient considérés comme une race inférieure, ne pouvaient rien réclamer. Après la fin des seigneuries, les Sulpiciens changèrent les règles pour les Indiens de Kennesataki. Un règlement stipulait que le séminaire avait le droit d'agrandir leur ferme en y annexant les terres de la Pinède. Aussitôt que les règles furent écrites, le séminaire exerça ce supposé droit. En 1865, les prêtres saisirent une partie de la Pinède pour agrandir la ferme Saint-Vincent-de-Paul. Plus tard, ils prirent une autre partie encore de la Pinède pour les fermes Saint-Isidore et agrandirent encore celle de Saint-Vincent-de-Paul et du Calvaire, qu'ils fusionnèrent pour former l'immense ferme de Saint-Sulpice, ce qui avait pour effet de réduire considérablement le territoire autochtone. En 1877, plus de 800 hectares de terre appartenant aux Autochtones ont été vendus par les prêtres sulpiciens à des particuliers. Même le ministre de la Justice, Rodolphe Laflamme, un avocat qui avait été éduqué par les prêtres sulpiciens, écrivit « Il est incontestable que les Indiens n'ont aucun droit au territoire. Ils n'ont jamais eu aucun droit avant l'abolition des seigneuries. » Et ils n'en ont certainement pas acquis depuis.
Les Mohawks et leurs ancêtres vivaient sur le territoire avant l'arrivée du séminaire en 1721 et ne l'avaient jamais quitté. Et pourtant, ils n'avaient aucun droit de présenter une réclamation. Par ailleurs, les colons arrivés à la seigneurie dans les années 1820, 1830 et 1840 en avaient pleinement le droit. De tous les Québécois, le peuple de Kanesatake fut le seul touché par l'abolition de la loi seigneuriale. Le territoire sur lequel ils avaient vécu depuis des temps immémoriaux leur était interdit. Dans les années à venir, les Autochtones de Kanesatake allaient être assujettis à un nombre infini de lois et de règles formulées arbitrairement par les sulpiciens. Toute résistance par les Indiens était réprimandée par des amendes ou emprisonnements. Rien n'était laissé au hasard par les prêtres. Les Indiens étaient arrêtés à chaque tournant. Les Autochtones sont entassés sur des lots de terre toujours plus petits, desquels ils ne tirent qu'une maigre récolte. Alors qu'ils s'emparaient d'autres terrains sur la commune et la Pinède, les sulpiciens restreignaient presque tout ce que les Indiens faisaient pour gagner leur vie. Vers la fin des années 1860, ils appliquaient avec vigueur la règle selon laquelle les Autochtones ne pouvaient agir seulement avec la permission du séminaire. Les prêtres se plaignaient que les Indiens étaient indolents et naturellement paresseux. Mais quand ceux-ci essayaient de gagner leur vie, le séminaire se précipitait comme un faucon sur sa proie et saisissait et leurs produits et leurs profits. Voici un exemple de cette politique. Jean-Baptiste Lacopre construisit un canot et le vendit. Joseph-Alexandre Baille, supérieur du séminaire, donna l'ordre de saisir le canot du nouvel acquéreur en plus de l'argent de Jean-Baptiste. Selon les prêtres, les Indiens pouvaient faire des canots, mais il leur était interdit de les vendre sans la permission du séminaire. Alexandre Baille, ce sulpicien, né et éduqué en France, écrivit à Hector Langevin, alors ministre des Affaires indiennes, lui disant que si les sauvages désiraient rester sur les terres qui appartenaient aux sulpiciens, devaient obéir poliment aux règlements faits expressément pour le bien-être des sauvages. Langevin était tout à fait d'accord avec les prêtres, écrivit aux sauvages, leur ordonnant d'obéir aux ordres de ceux-ci. Voici un autre exemple des sulpiciens envers les Mohawks. Une femme, la veuve Petit Cri, mère de 4 enfants, décida de louer une partie de sa terre à un fermier contre la moitié de sa récolte. Les sulpiciens rejetèrent l'argument et louèrent la terre à quelqu'un d'autre. L'homme à qui la femme avait loué la terre était un Canadien qui ne pouvait pas, selon le séminaire, s'établir parmi les Indiens sans la permission des prêtres. Entre-temps, les sulpiciens avaient embauché d'autres Canadiens pour travailler dans les 22 fermes que le séminaire exploitait. En 1870, un nouveau groupe composé de pasteurs et de missionnaires méthodistes prit la cause des Indiens à cœur. Deux hommes, les pasteurs John Borland et Amand Parent, les défendirent vigoureusement. Borland luttait contre le gouvernement fédéral et le séminaire de Saint-Sulpice, tandis que Parent faisait de son mieux pour aider les Indiens dans leur communauté. Les deux hommes étaient farouchement anticatholiques et n'essayaient aucunement de cacher leurs sentiments. En 1871, une arrestation parut particulièrement bizarre à John Borland.
Les cerceaux de Barry étaient, semble-t-il, très en demande et les Indiens en fabriquaient de très bons et de qualité supérieure pour les vendre à Montréal, ce qui leur fournissait un revenu supplémentaire. Ils utilisaient souvent de jeunes arbres parce que le bois était flexible et facile à travailler. Quand cela ne réussit pas, le séminaire fit apparemment couper et enlever les jeunes arbres, et quand cette mesure échoua elle aussi, le séminaire ordonna à la compagnie de navigation de la rivière des Outaouais, qui dirigeait les bateaux à vapeur, de cesser de transporter la marchandise des Indiens. Un Indien, déterminé à envoyer ses cerceaux au marché, se fit un radeau, puis descendit la rivière avec ceux-ci et le reste de ses effets. Immédiatement, le séminaire lança un mandat. Dès son arrivée à Montréal, il fut arrêté et mis en prison. En 1872, Gabriel Karen Natassé fut arrêté pour avoir coupé du bois dans le but de construire une étable. Le séminaire envoya promptement ses hommes pour confisquer le bois. Malgré le fait que Karen Natassé avait conclu une entente avec le séminaire lui permettant de couper du bois à des fins de construction. Karen Natassé poursuivit en justice le séminaire pour intrusion sur sa terre sans permission. Naturellement, il perdit sa cause. Plus tard, en 1873, il fut de nouveau arrêté pour avoir coupé des bûches destinées à la fabrication de bardeaux. Il fut condamné à payer une amende de 83,25 $ ou passer 3 mois en prison. Un autre Indien, qui prit du bois sur la terre qu'il occupait pour construire un petit bâtiment, fut informé par le séminaire qu'il pouvait continuer seulement s'il revenait à l'Église catholique romaine. En 1874, les méthodistes, avec l'aide du révérend Amand Parent, fit construire une chapelle qui servait aussi d'école. Les sulpiciens étaient outragés et déclarèrent la chapelle illégale. Le 8 décembre 1875, la chapelle fut démolie par les prêtres. Les Indiens et les résidents d'Oka furent atterrés. Durant cette période, plus de 40 incidents où les Indiens furent arrêtés pour avoir coupé du bois, sans la permission des prêtres. Il était interdit aux Indiens de couper du bois pour réparer leur maison, la chauffer ou encore se fabriquer des raquettes. Dans ce temps-là, tout était fait de bois. On peut imaginer facilement le cauchemar que ces gens-là ont dû subir. Les Nipissing, Hurons, Algonquins et Mohawks qui habitaient Oka parlaient indien et français. C'est probablement à cette période qu'ils ont commencé à délaisser le français en faveur de l'anglais. Nous avons très peu d'informations sur les Nipissing qui habitaient Oka. Certains ont probablement été déportés avec les Algonquins à Maniwaki, ou encore avec certaines familles qui, eux, ont aussi été déportés vers Muskoka en Ontario. Certains sont demeurés à Oka, mais la plupart sont décédés durant l'épidémie de choléra de 1835. Depuis la fin de 1700, une bonne partie de la seigneurie avait été défrichée par les Autochtones. Les Sulpiciens voulaient se débarrasser d'eux. Dans les années 1800, les prêtres ont promis des jours meilleurs aux Algonquins s'ils déménageaient vers Maniwaki, ce qui permit de les déporter de manière insidieuse et par la suite récupérer leurs terres pour la vendre aux Blancs. Voici ce que disait Richard Desjardins à ce sujet dans le film « Le peuple invisible » de Robert Mondery. En 1800, les derniers Algonquins quittaient le village des Deux Montagnes en face de Montréal pour se retirer vers le nord, vers le parc La Vérendrye. En fait, on n'avait plus besoin de l'Indien, mais de son territoire, même qu'il devenait encombrant. Une cinquantaine d'années plus tard, en 1850, les autorités décidaient de sortir les Indiens du bois et de les concentrer. L'Indian Territory allait finalement se résumer à des camps de réfugiés.
les Algonquins se sont indiqués deux territoires où est-ce qu'on leur établirait des réserves. L'une à Maniwaki, au sud du parc La Vérendrye, et l'autre au Grand Lac Témiscamingue. Une bande de nouveaux missionnaires venus de Marseille, les Aublats, transportés et logés par la compagnie de fourrure anglaise, la Hudson Bay Company, se portent volontaires pour faciliter leur soumission. La technique est simple, éprouvée et foudroyante. Leur inculquer la peur de l'enfer, concept inexistant dans la cosmologie amérindienne. Ce sont eux, les Algonquins Témiscamingue, sortis du bois après des milliers d'années, pour la photo. Ils se sont rendus à une force supérieure, certainement inquiets de leur destin. Ils ne savent probablement pas qu'ils vivent maintenant dans un nouveau pays qui s'appelle le Canada, que leur territoire appartient à la province de Québec et qu'eux appartiennent personnellement au gouvernement fédéral. Ils ne savent probablement pas ce qu'est un droit et encore moins qu'ils n'en ont pas. Parce qu'une loi vient d'être votée, la loi sur les sauvages, en 1875, qui les rend inférieurs aux Blancs. Cette loi confirme leur incapacité légale. Ils seront considérés comme des mineurs, des enfants, qu'on pourra déposséder comme on veut, quand on veut. On décide de les blanchir, d'abord leur faire abandonner leur langue, puis leur identité. Enlèvera en effet leur vrai nom et ils seront numérotés dans un registre. Une femme qui mariera un blanc perdra son identité indienne, elle et ses enfants. Elle devra quitter la réserve et ne pourra pas se faire inhumer dans le même cimetière que les siens. À l'époque, on se donnait une dizaine d'années tout au plus pour les assimiler. Ceux qui se résigneront à vivre dans la réserve auront droit à un toit, une école, une ration de survie. Pour les Mohawks, le séminaire de Saint-Sulpice imagina un autre stratagème. Ils ne voulaient rien de moins que la disparition de tous les Autochtones d'Oka. Voici un extrait d'une pièce de théâtre amateur en Mohawk sur la déportation des leurs à Muskoka, en Ontario. Avril 1881, les Sulpiciens ont réussi à convaincre les gouvernements de l'Ontario ainsi que celui d'Ottawa de déporter le restant des Indiens d'Oka vers Muskoka en Ontario, une distance d'environ 280 000 ou 550 km
d'Oka. Pour se débarrasser des Indiens, les prêtres leur ont promis une réserve avec 60 000 acres de terre, des soins médicaux. Chaque famille devait recevoir une vache, un cheval et un bœuf, en plus des vêtements nécessaires pour 3 ans, ainsi que 10 000 $ par famille. Après la déportation, ils n'ont reçu que 3 000 $ par famille. Pour ce qui est du reste, ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Finalement, à l'automne de 1881, le souhait des Sulpiciens est exaucé. 39 familles tombent dans le piège. La déportation a lieu le 22 octobre. Charles Cook, alors âgé de 11 ans, qui était du nombre de ceux qui partaient, raconta plus tard ses impressions de la journée. Je me rappelle la veille où nous avons dit adieu à notre maison. Nous avions apporté nos affaires personnelles au village afin d'être prêts à les mettre dans le bateau à vapeur le jour suivant. Je me rappelle, le matin du 22 octobre, nous avons quitté la maison de François Jacob où nous avions passé notre dernière nuit à Oka. Nous, les plus jeunes, avions dormi sur le plancher. Nous sommes allés à la hâte vers le bateau appelé Dagmar, 3 heures avant l'heure du départ prévu. Le quai était rempli de monde venu de partout pour voir le départ en masse des personnes décidées à quitter Oka pour de bon. Ce matin-là, les 5 routes menant à Oka étaient bondées de gens aux sentiments partagés. Certains étaient portés par la curiosité, tandis que d'autres avaient le cœur triste de dire adieu à leur bien-aimé. D'autres encore, par leur visage malicieux, montraient qu'ils n'étaient pas tristes de voir ces sauvages en route vers Muskoka secouer finalement la poussière d'Oka de leurs mocassins. Puis, on entendit les 3 coups de sifflet du bateau à vapeur, indiquant qu'elle allait bientôt quitter le quai. Arrivé au quai, je me souviens d'un violoneux qui avait apporté son instrument pour jouer quelques morceaux pour faire regretter aux voyageurs en direction de Muskoka leur départ d'Oka. La tradition orale rappelle aussi qu'un prêtre qui se tenait sur le rivage pour regarder les Indiens partir pleurait à chaudes larmes. Une personne intriguée lui demanda s'il était triste de voir partir ces individus. Le prêtre lui répondit « Oui, je suis triste. Je suis triste parce qu'il y en a autant qui restent toujours ici. » Le voyage vers le comté de Gibson dura environ 10 jours. Les Indiens remontèrent la rivière des Outaouais sur un bateau cargo destiné aux animaux jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. De là, ils prirent un train pour Gravenhurst. Plusieurs familles s'arrêtèrent à Gravenhurst où ils passèrent l'hiver. Pour les autres, comme aucune route n'atteignait la réserve, le groupe dut traverser plusieurs rapides en radeau jusqu'à leur destination finale. Le peuple avait peut-être de grands espoirs et de formidables attentes pour leur nouveau foyer, mais comme ils avaient été abandonnés par les prêtres sulpiciens, ce qu'ils rencontrèrent en cette première année fut des épreuves et une extrême pauvreté. Ils sont arrivés à la réserve avec seulement leur linge et quelques tentes comme abri, et ceci en fin d'automne. Selon les conditions du décret voté par le gouvernement du Canada, les Sulpiciens devaient construire une grande maison de bois rond pour chaque famille. Encore une fois, les prêtres n'ont pas tenu leur promesse et les Indiens ont demeuré sans aide. Quelques heures après leur départ, un groupe de la police du séminaire, que la presse de l'époque qualifiait de fier à bras, accompagné par environ 40 Canadiens français et armés de bâtons et de haches, attaquèrent une maison indienne. La maison avait été laissée par une famille déplacée vers Gibson et reprise par leurs parents. La police et les Canadiens français ont battu les personnes qui habitaient la maison. La femme de Pierre Beauvais, qui était enceinte, fut battue si sévèrement qu'elle avait plusieurs côtes de brisées et faillit en mourir.
Le séminaire donna l'ordre de saisir toutes les maisons abandonnées par les déportés. Plus tard, ces maisons seront vendues à des Blancs, ce qui aura pour conséquence de diviser le territoire Mohawk. Toute cette histoire ressemble étrangement à la déportation des Acadiens. Quand les Indiens sont arrivés à Oka en 1721, la section jaune leur appartenait. Mais, tranquillement, sûrement et insidieusement, les Sulpiciens ont volé ces centaines d'acres de terre pour ensuite les vendre à des Blancs. Vers les années 1935, les Sulpiciens vendent à un consortium belge de grandes étendues de terre, y compris la commune près de la Pinède. Quand les Belges ont découvert qu'ils s'étaient fait avoir par les prêtres, c'est le gouvernement provincial qui a été obligé de corriger ce gâchis et de racheter les terrains. En 1933, sous l'administration d'Alexandre Taschereau, les prêtres empruntèrent 1 million de dollars du gouvernement provincial. Quand plus tard, ils déclarent qu'ils sont incapables de rembourser cette dette, ils offrent alors au gouvernement 100 terrains à la province qui accepta. Plus tard, le gouvernement en transférera quelques-uns à la municipalité d'Oka pour 1 $. À ce point, il est clair que les sombres activités du séminaire avaient laissé les Indiens avec presque rien. Dans les années 50 et 60, les Sulpiciens et la ville d'Oka ont pris tous les terrains possibles auprès des Indiens et de leurs descendants. En 1721, à la fondation d'Oka, les Sulpiciens donnèrent à Ignace Chontakwani et son épouse Elisabeth Toatogouache un grand domaine sur le rang de l'Annonciation. Plus tard, les messieurs de Saint-Sulpice changèrent leur nom à Rézène. Les descendants des Rézène sont demeurés sur la terre durant 232 ans. La famille et leurs descendants ont défriché la terre, coupé les arbres, bâti une maison et payé les taxes. Et ont toujours été très fidèles aux prêtres. En 1971, Wilhelmine, qui était la cinquième génération de Rézène à habiter la terre, décida de la vendre à la municipalité d'Oka. Grave erreur, les Sulpiciens se mettent en poste d'autorité et décident de bloquer la vente de la maison. En plus, ils se déclarent propriétaires de la terre. Dans ces années, la toute-puissante Église catholique avait tous les pouvoirs et l'influence nécessaires pour cette saisie. Les Sulpiciens se dirigent vers la Cour supérieure et avec l'aide du juge Bernard Bourgeois, obtiennent un mandat et saisissent la maison des Rézène. Voici quelques extraits du jugement numéro 61-063. La Cour, après avoir étudié les représentations écrites des savants procureurs des parties, après avoir examiné le dossier, déclare que les demandeurs, c'est-à-dire les Sulpiciens, ont toujours été et sont les seuls véritables propriétaires de l'immeuble. Voici ce que disait aussi le jugement au sujet du frère de Wilhelmine, Rising Rézène. Les dix droits de Rising Rézène sont de toute façon inexistants, éteints et périmés, et la dite vente est nulle et doit être annulée à toute fin que de droit. Voici maintenant ce que disait le jugement au sujet de Wilhelmine, la sœur de Rising. Ordre est donné à la défendresse, dame Wilhelmine Rézène, veuve non remariée d'Adélard Lacroix, de déguerpir du dit immeuble et d'en laisser au demandeur la possession libre et complète, sans aucune obstruction et sans aucun empêchement de quelque nature que ce soit, dans les 15 jours de la signification du présent jugement. Les Rézène, après avoir demeuré dans la maison 232 ans, réalisent qu'ils ne sont toujours pas propriétaires. Bien que les Sulpiciens ont gagné leur cause et chassé les descendants de Chontakwani et Toatogouache, après être né et vécu toute sa vie dans la petite maison de ses ancêtres, Wilhelmine a eu 15 jours pour déménager. Elle perdit alors le profit de la vente de sa maison
et déménagea dans un appartement à loyer à Oka. Fin des années 50, la municipalité d'Oka décide de construire un club de golf privé dans la pinède de Kanesatake, ce qui aura pour effet d'amputer une grande partie de la pinède et de la réserver exclusivement à l'usage des membres du club privé. Ce projet fut très facile à réaliser avec l'aide du maire d'Oka et du premier ministre de l'époque, Paul Sauvé. Le peuple de Kanesatake ne fut jamais avisé et par le fait même, n'eut aucune chance de s'y opposer. Le gouvernement fédéral avait un an pour s'y opposer, mais ne fit rien. Un jour, l'équipement lourd est arrivé à Kanesatake et construisit le golfe sans autre avertissement. La frontière des Mohawks venait de reculer une autre fois. Récapitulons brièvement. De 1600 jusqu'à la crise d'Oka en 1990, le peuple autochtone a été déménagé de la mission de la montagne à Montréal jusqu'au saut aux Récollets au nord de la ville. Déménagé de nouveau à Kanesatake, battu, excommunié de l'Église catholique, humilié, interdiction de couper du bois, même pour se chauffer ou pour le vendre, interdiction de vendre leurs récoltes, ils ont vu leur Église détruite, déportés à Muskoka en Ontario et à Maniwaki. La majeure partie de leurs terres, incluant la pinède, fut vendue par les prêtres. Dans les années 50, messieurs les ecclésiastiques de Saint-Sulpice saisirent 85 acres de terre qu'ils avaient supposément donnés aux Rézènes en 1721. La propriétaire, une femme, a eu 15 jours pour quitter la maison et déménager. En 1959, la municipalité d'Oka prit une partie de la pinède pour construire un golf. En 1990, le maire de l'époque, Jean Ouellette, tenta de nouveau de prendre une autre partie de la pinède pour agrandir le golf. Mais cette fois, le peuple était prêt quand une équipe élite du SWAT de la Sûreté du Québec les attaqua. Pour faciliter la soumission de 1500 Indiens, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, demande à l'aide du gouvernement fédéral et de son premier ministre, Jean Chrétien. Celui-ci envoya une force de 1500 fantassins en tenue de combat, accompagnée de chars d'assaut et d'hélicoptères. Jusqu'à ce jour, rien n'est réglé.